Olga? Olga? Stop. Gestionner, filage, taf aussi. Pause, micro, caméra, café. Da, da, quitte région, beaucoup, métaux, or, gaz, uranium. C'était que t'as fermé ton garage ouais. Samedi là. Ouais mais sauf pour urgence. Et encore hein. Faut que ce soit un beau client hein. Par contre j'ai passé une partie de la nuit là à rédiger un de ces discours. Popeye. Popeye. Trois Alsace comme d'habitude. Un discours digne de Malraux invalide. Qui ça? Malraux. On connaît pas. Laisse tomber Albert. Il peut pas connaître. Commencez pas à me chercher, Vicomte. On va le finir. Bon. Santé. Bon. Oui, Jackie. Oui, oui. Il est fat. Je peux vous lire mon texte, là, ou pas? Nous vous écoutons. Mon discours. On vous écoute. Allez, eh ben, j'y vais. Alors, écoutez bien. Nous allons maintenant déterminer les bases du programme qui va nous permettre de conquérir la mairie de Fossy en Genevois. Ouais, on va gagner! On va gagner! Oh, on va gagner! Oh, tu vas pas m'interrompre à tout bout de champ quand même. Ouais, t'as pas tort. Voilà. Alors écoutez-moi ça. La victoire finale est encore loin. Et avant de l'atteindre, il nous faudra vaincre en de nombreuses batailles. L'adversaire est redoutable. Il n'a ni scrupules et ni état d'âme. La semaine dernière, une délégation de chez Averard est... À Réva. T'es sûr? Ouais. Oh. Donc, Averard... À Réva. Oh. Donc, serait venu présenter un projet d'installation d'une centrale nucléaire sur la commune. Le rendez-vous aurait eu lieu en secret. Mais écoutez ça. Qu'il sache que nous nous y opposerons par tous les moyens. Il va nous falloir de la volonté, du courage et de la pugnacité pour affronter le maire sortant et son équipe. Le chemin sera long et pénible, la lutte brutale, violente sans doute, et se terminera forcément par la mort du candidat battu.
Ça, c'est envoyé, mon vieux. La mort politique hein, du candidat battu. Non, je ne pensais pas qu'une campagne électorale pouvait être aussi âpre. Ah, écoutez-moi ça. Oui, nous allons vaincre. Parce que notre programme est le plus juste. Nous allons vaincre parce que nous, nous sommes attentifs aux besoins des chômeurs, des personnes âgées, des handicapés. Nous, nous saurons rendre à cette ville dynamisme et attractivité. Nous allons vaincre parce que... Stop, vous emballez, mon cher. Oh, bah oui. Votre lyrisme me fait plaisir à voir, mais il est un peu prématuré. Hein. Ah bon, pourquoi? Mais vous battez la charrue dans les bœufs. Avant d'haranguer la foule, il faut donner un contenu à vos propos. Tout à l'heure, vous avez dit que votre programme était le plus juste, mais il n'existe pas encore. Mais c'est pour ça que je vous ai fait venir. Oui, ben, avant de descendre, frotte-moi la main, là, parce que si tu te casses la gueule... hein? Et puis, tu sais, un candidat avec la jambe dans le plat, ouais, c'est pas fait pour assurer les électeurs. Sinon, bien, le ton engagé, bonne gestion théâtrale, attitude républicaine. Merci. Bon, dans notre programme... Ah oui, c'est vrai, républicaine. Tu sais, je me trouve entre le président actuel qui est trop mou et l'ancien qui était trop agité. Avant de penser au présidentiel, occupons-nous déjà des municipales. Bon, dans notre programme, de quoi parle-t-on? Oui, voilà, c'est ça le problème. Bon, de projets que l'on chiffre pour établir les budgets. Il nous faut donc de nouveaux objectifs sur la vie sociale et associative, sur le fleurissement des terrasses, les espaces de loisirs et les nouvelles technologies. Et l'environnement, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et la culture? Vous oubliez la culture? Sans politique culturelle, une petite ville comme la nôtre, hein, c'est capoute, hein, c'est mort. Hein. Et aussi, faut pas oublier, la réforme des rythmes scolaires. On est en plein dedans. Hein. La culture, bien sûr. Ouais. Mais... que mettriez-vous dans votre politique culturelle? Ouais, ben moi je sais, tiens. Il y a quoi la raser, tiens, la supérette, la périphérie de la ville, là. Tiens, on rase tout ça, crac, et puis à la place, on met, tiens, une bonne salle hein, culturelle, là, hein, pour les répétitions de musique, tu vois, pour nos petits vieux, là, pour qu'ils dansent, hein. Et tiens, pour des concerts de rock, pour nos petits jeunes, enfin, tu vois même. Ouais, comme ça, ça vous fera un rival de moi, monsieur Boulanger. Mais il n'y a rien, faut s'y en Genevois. Attends. Voyez-vous, une bonne politique culturelle, c'est une politique qui valorise des richesses architecturales et historiques, qui initie à l'art de la danse, de la musique et du théâtre, etc. Bon, arrêtez de vous chamailler, là. Vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels, là. Mais toi, tu penses peut-être pas au tien, tiens. Ni en pion. Pourquoi tu t'es présenté comme maire? Dis-nous donc, tiens. Eh bien, parce que je veux mettre mes compétences et mon temps au service de ma ville. Oui, mon œil, oui. Dis plutôt que c'est pour prendre la place du maire parce qu'il t'a piqué ta bonne femme. Oh. Mon pauvre Francis, cela fait déjà 2 ans que c'est terminé. Entre elle et moi, c'est fini. Et puis, il y a bien longtemps que tout le monde a oublié que sa femme était d'abord la mienne. Ouais, sauf ceux qui portent des cornes et qui vont voter partout pour toi par solidarité. Oh, le cocu te remercie, hein. Une centrale nucléaire à Fossy en Genevois. C'est impensable, ça. Je comprends pas. Le gouvernement avait pourtant bien dit stop au nucléaire et place aux énergies renouvelables. Me voilà, certes en retard, mais me voilà. Voilà une journée de ministre. Ce matin, j'avais rendez-vous avec Boucher, l'adjoint aux affaires culturelles. Il n'est pas d'accord sur l'organisation du concours de Super Mamie à Fossy. Ben pourtant, moi, je m'y voyais déjà. Ensuite, j'avais rendez-vous avec mon voisin du dessus, Oulaf. J'explique. Oulaf, c'est un réfugié politique russe. C'est un artiste. Il veut se lancer dans la haute couture. On a pris le petit déjeuner ensemble. Il a adoré ma confiture de cerise à la vodka. Ensuite, direction la gare, pour aller chercher mademoiselle. Et ben voilà pourquoi je suis à la bourre. Toutes mes excuses, hein. Mais vous êtes toutes excusées. Bon, comment ça va, Albert? Oh, je vous avoue, belle maman, que nous manquons de motivation. Pas d'idée. Manque de tout, quoi. Ex-belle maman.
Je vois. La chienlit, la bérésina. Bon, où est-ce que j'ai mis mon sac? Voilà de quoi vous remonter le moral. Que nouveau cette gaillardise. Le programme du maire sortant, ça vous la coupe, hein? Oh nom de Dieu! Mais où avez-vous trouvé ça? C'est de l'espionnage? De l'espionnage, Albert? Je vous rappelle que le maire aujourd'hui, ben c'est aussi mon gendre. Même si je le porte pas dans mon cœur, il ne m'empêchera pas de voir ma fille. Donc si par hasard je tombe fortuitement sur un document qui traîne, je le pique, je le subtilise, je le photocopie, je le remets à sa place, enfin j'agis quoi. Alors là, chapeau bas, Madame Paulette. Ah, oui. Votre énergie me laisse pantois. Faites voir un peu. Oh là là, hey, c'est quasiment du copier-coller avec le nôtre là. Ah bon? Oh bon sang. Concrétisation du projet de la centrale nucléaire. Eh bien voilà, avec ça, là, il n'y a pas deux fossiles lois sur 10 qui vont voter pour lui. Eh bien, c'est là qu'il faut contrer. Et comment? Eh bien, il faut lancer l'idée de la construction d'une grande centrale de méthanisation à l'échelon départemental. Ah, recycler les déchets, excellente idée, hein. Mais où l'installeriez-vous? Ben, pas sous mes cotillons, hein. Enfin, quoi que des fois. Bon, l'ancienne carrière de la commune voisine avec de la ville suisse Bouzeville, dans la banlieue de Genève, elle est tout à fait indiquée. Donc, moi, j'ai pris rendez-vous avec le GDF le 14 à 18h sur place. Ah, t'es sûr que c'est pas plutôt le 18 à 14h? Ah, t'as peut-être raison, toi, Francis, hein. Parce qu'à 18h, ces gars-là, sauf avis de tempête, ils sont déjà en pantoufles. Ah, mais excusez-moi, j'avais oublié de vous présenter Émilie. Elle est diplômée en coaching de développement médiatico-politique. Enchantée, mademoiselle. C'est Olaf qui me l'a présentée. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Mais avons-nous besoin d'une scotch? Indispensable! Elle va tout vous apprendre à parler en public et à vous habiller. Serrez des mains. Bonjour. Poser devant les photographes. Faire des promesses qu'on sait ne pas pouvoir les tenir. Rassurer les pauvres, flatter les riches. Sachez que sur cette terre, il n'y a que deux politiques possibles. La mauvaise et la pire. Choisissez la pire et vous serez élu. Belle moralité, hein? Tout ça me met mal à l'aise, là, mais je n'aime pas les mensonges. Belle maman, je vous signale que nous sommes engagés dans cette affaire pour des raisons personnelles. Moins pour me venger de celui qui m'a fait cocu. Le vicomte pour sauver son château. Et le boulanger pour éliminer la concurrence. Et vous, belle maman, pour régler vos comptes avec votre nouveau gendre. Voilà, voilà. Ah, une minute, mon ex-genre. Ah, Olaf, bah vous tombez bien. Approchez. Qu'est-ce que c'est que ce gugus, là? Eh ben, je vous présente Olaf. Il est spécialiste en relooking esthétique et vestimentaire. Et c'est avec lui que j'ai pris le petit déjeuner. Bon, tu commences par lui, déjà. Mais j'ai pas besoin d'être relooké, moi. Quoi? Non mais attends, t'as vu ta dégaine? Non mais n'importe quoi. Et ces cheveux gris sales là, non mais on va cacher tout ça avec une bonne perruque, da. Allez, ouais. Vas-y, tourne-toi. Allez. Oh bah ça. Oh là, ça va pas non? Du cuir. Je ne vois que ça. C'est mode, ça passe partout. Ça fait jeune sportif, habillé et riche. Et une paire de fausses lunettes à sortir à la chemise. Et surtout, pas de casquette comme celle-ci. Ça c'est. N'importe quoi, pas de chemise trop longue, et puis, pas de basket. Oh ouais. Ça va. Et peut-être un petit percé. Oh mais ça va pas, non? Ben moi je veux faire de la politique, là, je participe pas à la Gay Pride, là. Non mais attendez. Un costume discret et classique, voilà ce qu'il me faut.
Si monsieur veut s'habiller comme un bourgeois de province, qu'il aille chez un tailleur, moi je suis un créatif, monsieur. Je revisite la silhouette, je la flatte, je l'illumine. Là, vous commencez sérieusement à me les gonfler, hein, monsieur le solgénissime de la guenille. Hein. Ouais, monsieur, je suis un artiste, hein, je ne suis pas une catin. Si vous avez besoin de mes services, voilà, je me casse. C'est ça. Au plaisir de ne jamais vous revoir. Dommage. Ah, aussi, très important, ne manquez pas le marché. Prenez les devants, faites semblant de reconnaître les gens. Parlez-leur de leur santé. Les gens aiment bien qu'on s'intéresse à leur santé. S'ils vous disent qu'ils ont une santé de fer, félicitez-les, puis attendez patiemment qu'ils vous déballent tout ce qui ne va pas. Les vieux ont toujours des tas de soucis. Ah oh bah pas moi, hein. Mais vous, vous êtes une gamine. Autre chose aussi, pas de signe ostentatoire de richesse. En ce moment, être riche est plutôt mal vu. Va falloir rester ta quatrelle au garage, mon pote. Autre détail, la presse. En ce qui nous concerne, seule la presse locale, journaux, radio locale, nous intéresse. Pas de problème. Albert est très ami avec les Lebargeau. Paul Lebargeau était professeur d'histoire à la Sorbonne avant de diriger le journal régional. Mais il est aussi expert international en monnaie ancienne. Oui, je connais très bien les Lebargeau. Bah oui. D'ailleurs, Madame Lebargeau est une excellente sportive. Ah bon ? Ah oui ? Eh bien, rencontrez-les, dites-leur que vous vous présentez aux élections municipales, faites du charme à madame, les femmes ont toujours beaucoup d'influence sur leur mari. C'est pas faux. Bah là, vous me demandez trop. Sincèrement, je peux pas. Mais pourquoi ? Expliquez-vous, mon ex-gendre. Je peux pas à cause de Sylvie. C'est qui cette Sylvie ? Bah, la femme de Paul Lebargeau. Est-ce que tu connais la femme de Lebargeau, toi ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, nous faisons du sport tous les dimanches après-midi. Ouais, je vois le genre, ouais. Ah bah, ça, c'est bien. C'est bien, Albert. Ça, c'est une bonne fatigue. Et puis au moins, ça donne du fortifiant pour le reste de la semaine. Et dire que j'en vois le dimanche après-midi qui passent leur temps au lit, hein. Bon, allez, revenons à nos moutons, là. Ouais. Alors, pour le discours. Mais... qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui dans le quartier, là, dans le village, là ? Mais t'as pas lu le journal ? Le maire inaugure la nouvelle statue de Guillaume Tell, avec le sous-préfet, le député, les petits fours, enfin tout le tralala, quoi. Enfin, alors moi je me casse, hein, faudrait pas qu'ils nous voient ensemble. Eh, à tout à l'heure à l'apéro ? Eh, moi je me réfère à notre matari, hein. Puis le mélange des huiles et d'alcool, ça me donne de l'alcool. Je te laisse. Chers concitoyens, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre mobilisation. Vous êtes en effet très nombreux à avoir répondu à notre invitation. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour l'inauguration de la statue de Guillaume Tell. Vous savez combien ce projet nous tenait à cœur. Mais savez-vous qui est Guillaume Tell ? Alors, un brin d'histoire, si vous le permettez. Aucun autre Suisse n'est aussi connu que Guillaume Tell. Sa légende a exercé une influence importante sur la Suisse. La légende nous dit qu'un tyran exigeait que tous les habitants saluent son chapeau hissé sur la place publique. Toute la population obéit, sauf un homme, Guillaume Tell. Il passa devant le chapeau, son arbalète à la main, accompagné de son fils de 10 ans, sans se découvrir. Pour le punir, le tyran oblige Guillaume Tell à tirer avec son arbalète sur une pomme posée sur la tête de son fils. Prouesse qui va réussir. C'est ainsi qu'il est devenu un symbole important pour les Suisses. Il évoque la fraternité, la liberté et la lutte contre la tyrannie. Guillaume Tell, c'est aussi un opéra qui dure 4 mois. Notre vicomte, vicomte de notre village, qui adore l'opéra, un grand amateur d'opéra, serait capable de vous le fredonner. Mais rassurez-vous, il ne connaît que le refrain.
Au travers de ce projet, nous avions à la fois le souci de rendre hommage à l'histoire de notre village, mais également de créer un lieu de rassemblement et de convivialité pour vous, mes concitoyens. Merci à vous tous. À l'issue de l'inauguration, je vous invite à vous retrouver tout à l'heure autour d'un verre pour fêter ce magnifique événement. Cette réception très solennelle, en particulier l'interprétation de l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini par la fanfare. Albert, je vous ferai bien une confidence, Albert. Vous permettez que je vous appelle Albert? Oui, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Ça me gêne un peu, mais le hasard fait curieusement les choses. Figurez-vous qu'une amie m'a fait récemment un cadeau assez original. Vous ne devinerez jamais. Non, mais j'ai hâte de savoir. Quand j'ai entendu l'ouverture de Guillaume Tell, je me suis souvenu qu'il était encore dans mon sac. C'est quoi, un CD? Non, mais ce sont des préservatifs. Oui, vous voyez ce qu'il y a d'inscriptif. Préservatifs musicaux? Ça fait de la musique quand on fait l'amour. Et vous voyez, il y a justement là inscrit Guillaume Tell de Rossini. On peut faire un essai? Ben, essayez quoi? Oh, mais ça va pas, non, certainement pas. Pas ici. Mais on en a pas pour longtemps, le morceau ne dure que 4 minutes 30. Oh, ben oui, mais 4 minutes 30, c'est beaucoup trop court. Voilà, le Olaf, là. Qu'est-ce qu'il fait à traîner par là, celui-là? J'ai pas envie de le voir, celui-là. Il m'agace. Amène-toi par là. Y a quelqu'un? Non. Albert, vous êtes là? Bon, personne. Ben, ça m'arrange. J'ai un boulot qui demande la plus grande discrétion. La pose d'un minuscule micro extra plat de la marque Iseto et sa batterie. Tout ça posé sous le milieu de la table. Un petit bijou de la classe à San Antonio. Portée 50 miles. Hop. Et tout ça bien sous le milieu de la table. À nous la petite récompense. Albert! Albert! Personne? Albert! Albert! Bon, ben on commence. Oui. Bon, il faut prendre d'assaut tous les endroits publicitaires pour placarder notre future maquette de notre centrale de méthanisation. Ça, c'était pas prévu, ça. Le principe, il est bien collé. Ben, arrêtez de rigoler, merde.
pas de la bonne colle. On m'a dit que l'aurait bien vu. Il tiendra pas. Bon, alors on est d'accord? On est d'accord. On va les placarder partout. À l'assaut! Attendez, vicomte, la bataille de Reichshoffen, c'était il y a 2 siècles, alors on se calme. Bah, est-ce que je m'occupe de l'avancement de la cuisson de ta baguette, moi? À l'assaut! Chargeons! Si, tendez l'oreille. Eh ben, on dirait que ça vient du bureau. Il vient de monter le son. Et d'accélérer la cadence. Ouais, ben, je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais il y a l'air du ménage. Eh, c'était bien les cambrioleurs. Ouvrez. Ouais, ouais, ou des sbires à la salle du maire qui veulent nous piquer notre programme. Tu peux rentrer, là. Oui. Oui, on a mis sur l'ordinateur notre plan d'attaque pour contrer le maire. Et vous comptez sonner la charge au son des trompettes? Disons que je conseillais à monsieur comme musique de fond de ses discours une musique assez énergique. Oui, nous avons téléchargé sur ma clé USB les morceaux préférés. Mais où l'ai-je mise? Quoi? Votre clé USB? Non, ce sont les nouvelles clés extensibles de 2 à 10 gigas. Ah oui, les clés USB en latex. Ah, si j'ai bien compris, il est parti chercher des capotes. Oh mais Francis, un manteau britannique. Ouais, en fait, ils veulent dire un imperméable. Non, je ne les ai pas trouvés, hein. Ah, mais vous l'avez peut-être laissé sur votre PC. Sur mon PC? Oh non. Boulette, vous avez raison, évidemment, sur mon PC. Ah, Rossini, c'est tellement beau, passionné, vigoureux et en même temps tendre et câlin. Ouais, c'est bizarre, mais j'ai pas les mêmes sensations en écoutant le morceau, moi. Ah bon? C'est bizarre, mais une musique idéale pour charger les troupes adverses. Mon joie, c'est lui, sans mon cœur, à l'assaut. Allô, oui? Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur? À la directrice de communication d'Areva. Que je donne l'ordre de renoncer à l'affichage de la maquette de méthanisation. Mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais c'est moi tout à l'heure qui ai eu l'idée, mais t'étais sur ton PC, alors passe-moi là. Oui, allô, j'écoute, Paulette de Fossy. Marquise de Fossy à l'appareil. Oui, ok, vous voulez faire des sondages dans le sous-sol. Pas de problème, je vais en informer la secrétaire d'État à l'environnement. Et qu'on discute. Rappelez-moi la semaine prochaine. Les directrices de mes deux. Hein. Depuis quand vous prenez pour marquise de Fossy, vous? Eh ben, à l'instant. Mais bizarre, ce coup de fil. Attention, les gars. Pas de taupe dans la bande, hein. Comment se fait-il que quelqu'un soit déjà au courant de notre projet alors qu'on en a discuté ici il n'y a pas 10 minutes? Ouais, remarque pertinente. Mmh. Une taupe dans le sous-sol, fallait y penser. Mais j'ai l'impression que quelqu'un veut nous rouler dans la farine. Ouais, tu penses à qui, toi, Vicomte? De toute façon, toi, une mouche qui pèterait, tu sentirais même pas le gaz, alors. C'est du chantage, ça, de l'intox. Il faut y couper court. Un seul moyen, faire une conférence de presse. Albert, jouez de votre relationnel auprès de votre ami, le directeur du journal local. Appelez-le. Attends, pas la peine. Regarde qui vient. Regarde-les. On dirait la belle et la bête. Eh ben moi, je vous laisse. Hein. Moi, je vais mener mon enquête de mon côté. Hé, hey, Albert, tu penses?
pense à sauvegarder un condensé de tes travaux sous la clé USB. Bonjour Paul. Ah, salut Hébert. Ouais, ouais. Bonjour Sylvie. Vous tombez bien. J'allais t'appeler Paul. Ah oui. Je te présente Émilie, scotcheuse en médicalisation génétique. Bah tu vois, moi je voulais aller me reposer hein, tranquillement et puis ben Sylvie elle m'a proposé de bouger un peu quoi. Bon, elle avait des fourmis dans les jambes quoi, donc bon voilà quoi. Alors elle m'a proposé de venir te rendre une petite visite, tu vois. Dis donc, on a entendu dire que tu voulais te présenter aux élections. Oui, puis un peu d'activité physique ne peut que te faire du bien, hein, mon bichon. Ouais. Regarde Albert, il s'entretient, lui. Pas un kilo de trop. Bah, et moi aussi, je m'entretiens, qu'est-ce que tu crois? Non, mais alors, bon, non, mais dis. Bon, ça serait super si tu faisais la une avec ça. Albert Bardot, candidat à la mairie. Un bandeau en première page et un article en région. Attention. Moi, je dois rester neutre, hein. Et puis, je dois surtout garder de bonnes relations avec la mairie, hein, donc... Croyez-moi, Albert a toutes les chances de gagner. Il a réussi sa vie professionnelle, il fourmille d'idées, il est jeune et séduisant. Oh. Ah oui, mademoiselle est sous le charme. Je crois en sa victoire, voilà pourquoi je me suis engagée à ses côtés. Eh ben moi aussi je serai à ses côtés, moi aussi je le soutiendrai. Bon, ben moi enfin je dois rester impartial. Hein. Chaque candidat aura le même nombre de lignes dans le canard. Hein. Ah oui. Bon, ben, en attendant, hein, si vous le permettez, je vais aller fumer un petit cigare. Hein. Oh non, mais ce n'est pas bon pour ta santé, mon bichounet. Bon, demain, tu n'auras droit qu'à un bouillon maigre et un yaourt du même acabit. Je compte sur toi pour que Paul fasse un article sans tarder pour annoncer ma candidature à la mairie. Hein. Oui, il faudra nous présenter les grandes lignes de votre programme. Oui, hein. C'est fait. Entendu. Et croyez-moi, le tirage va doubler, voire exploser. Je pensais que c'était un accident au fond de mon garage. En fin de compte, non. C'est derrière, rue des remparts, au pied du château. Oh, il y a un énorme trou de 4 mètres de large sur 2 mètres de profondeur. Et des gravats, 100 mètres à la ronde. Et un carreau de la porte du château est cassé. Que Dieu protège mon homme, cottage. Digne survivant des orgies de la barbarie humaine. Hey, vous permettez que je m'absente un instant? Ben, tu veux où, la vicomte? À Groupama. Non, mais t'as déjà vu un gars de Groupama travailler le samedi, toi. Une conduite de gaz qui s'est probablement rompue. Ben, sauf qu'à Fossy, eh ben, on a encore nos bouteilles. Hein. Ah, vache. Hey, j'ai échappé belle, voyons. Oh, mon bichon. Ouais, bah c'est rien, c'est juste la carte sourcilière, hein, c'est pas grave, hein. Ça a pété à côté du château, Bougez pas, et toujours une trousse de premier secours, réflexe d'une ex-infirmière. Bah ça tombe bien. Ah, aide-moi ça bien. Elle est beau, là. Le choc l'a probablement commotionné. Votre femme n'a pas d'antécédent cardiaque? Oh non. Dis-moi, Paul, ta femme est pas enceinte? Oh non, bah pas à ma connaissance, hein. Et puis, entre nous, je doute qu'elle soit, elle le soit un jour, en plus. Ah, mais tout peut arriver, hein. Comme disait mon grand-père, c'est pas plus vite fait qu'un sang de fagot, hein. Mais, Ben là, je vais vous dire un truc, ma petite Paulette, hein. C'est que, à mon âge, hein, à l'âge où je suis arrivé, là, eh ben, on est beaucoup plus brillant dans les activités intellectuelles, hein, que dans la gymnastique nocturne, hein, je peux vous dire. Ouais, si j'ai bien compris, tes neurones marchent mieux que tes... Francis, veux-tu te reposer? Ouais. Francis, oui, tu peux m'aider à l'allonger dans le bureau sur le canapé? Bah, volontiers. De pompe, de pompe. Dis donc, Francis,
C'est bien la première fois que tu me demandes de l'aide pour... Ah, mais Francis! Bon, ben, moi, c'est pas tout ça. Je vais aller voir s'il y a du nouveau. Hein. Oui, oui. Je me... J'enquête à l'avance. Bah, dites-nous, Picon. Oui. Hier, on a quand même bien vu des véhicules militaires en manœuvre. Bien! La France est arrangée! Mon droit! Ça dit! Ça va, mon cœur! À la salle! Moi, je sais pas, mais... Eh ben, par exemple, oui. Une tortue lancée d'un sous-marin basé dans le lac de Genève. Oh, ben, si elle avait raté sa cible et qu'elle avait été atterrie à Fossy. Oh, excusez-moi pour ce malaise, mais à la vue du sang, je m'évanouis. Ah ben c'est tout le contraire, ben quand je vois du sang, là, je vois tout rouge, ça m'excite. Oh, mais Francis. Bon, oui, en fait, un détail, là, tout à l'heure, sous la table, il y avait quelque chose d'étrange, comme un paquet collé avec du scotch. Oh ben, certainement un gamin qui aura collé un chewing-gum sous la table. Non, ça ressemblait, vous savez, comme dans un film, ou un micro. Diable, le dernier bus pour Genève part dans un quart d'heure. Je vous envoie demain matin dès 8h mon mail avec en joint de mon rapport pour la presse. Eh ben, par sécurité, vous avez qu'à le sauvegarder sur la clé. Francis! Quoi? Oh, excusez-nous, Sylvie, mais continuez. A priori, ça ressemble à une pile. Et la pile relie le fil à un genre de micro. Ouais, ça y est, il est débranché. Ouais, bah, ou un pain de TNT, oui. Oula. Bon, Albert. Oui. Le maire et sa bande nous ont mis sur écoute. Il y a un problème. Il était bien prévu que je raccompagne moi-même la scotcheuse à la gare. Oui. Et là, elle nous file entre les mains au moment où on avait des questions à lui poser. Oui. Qu'est-ce coup de fil d'Areva? Ouh là 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 là, Matari, entre en action là. Attention. Ah, mais, nous devrions peut-être appeler la police. Ah non. Hé, hey, Albert. Oui. Ça va être l'heure des infos. Va allumer la télé dans ton garage. D'accord. Une explosion a eu lieu dans une rue dans le centre de Fossy en Genevois, à la frontière suisse, tout près d'un garage non loin du château. Si des dégâts importants sont constatés, il n'y a malheureusement pas de victimes. La commune n'ayant pas le gaz naturel, cette hypothèse a donc été écartée. Les enquêteurs ne négligent aucune piste. Les premiers constats de la gendarmerie ne permettent pas pour l'instant de mettre en évidence un acte criminel. Qui voulait-on atteindre? C'est la question que se posent les habitants de Fossy. A priori, là, votre scotcheuse, là, elle s'est bien payée notre tête, celle-là. Elle est à la botte du maire, là. Quant à l'autre, là, le Saint-Laurent du Casachoc, là, c'est moi qui vais lui tailler un complet veston, là. Mon garage a failli sauter, là. Alors, belle maman, pardon, ex. Je veux bien admettre que vous êtes fait blouser, mais rattrapez-vous, contre-espionnez sur les agissements de votre gendre et de votre fille également. Le cocu aurait-il des rancœurs? Bah, qu'est-ce que tu fais là-dessous, toi? Du contre-espionnage. Oh, attention, ouais. Hey, l'enquête à l'avance, hein. Le procureur de la République et le maire sont sur les lieux, hein, avec deux ingénieurs de Gaz de France. Hein. Hey, les enquêteurs ne négligent aucune piste, hein, aucune piste. D'ailleurs, ils s'intéressent en particulier à un couple de ressortissants russes arrêtés à l'aéroport de Genève. Alors, Matari, on s'est fait doubler? Hey, lui, là. Le russe, là, c'est un certain Olaf, hein, très connu des services secrets américains, hein,
Et il paraît même que cet Olaf, là, il aurait séjourné quelques jours, là, à Fossy, dans la commune, là. La crapule. Mais en fait, ben ça, c'est du pain béni pour ton canard, mon gros, hein. Oui. Alors, attention, en réalité, là, cet Olaf, là, c'est un spécialiste en matière de recherche de gisements de métaux les plus divers. Et également de gaz naturel, hein. Ah oui, oui, oui. Bon, je vais voir s'il y a du nouveau, moi. Attends-moi, mon bichon. Oui, bien sûr. Ah bah... Thank you.
ex-belle-maman. Je crains que les événements actuels ne dépassent largement le cadre d'une campagne électorale normale dans notre commune. Mon petit Albert, réfléchis un peu. On a affaire à une triangulaire. De 1, le maire, la société d'Areva et leur centrale nucléaire. En 2, notre méga gazogène, troisième génération. Et en 3, ben les Russes. Ouais, enfin, moi, je vois pas ce que les Ruskov viennent faire là-dedans. Hein. Puis, à mon avis, ton méga gazogène, là, et moi, j'ai bien peur qu'il pète pas bien loin. Hé, hey, fichtre, là, écoutez-moi ça, là. Je viens de ressortir le mail d'Areva, là, daté de lundi dernier. Nous ne voudrions pas vous décevoir, mais de récentes études géologiques mettent en évidence des réserves de gaz naturel importantes dans le sous-sol de votre région. Ce qui rendrait bien évidemment incompatible la construction d'une centrale nucléaire. Mais j'ai pas lu ça. Eh ben si. Très intéressant. Donc ça intéresse bien les Russes. Et ben pourquoi ils sont là? Ben devinez. Bon, moi je comprends rien de toute façon. Eh ben moi j'ai compris. Le Gugus là, le relooker là. Eh ben c'est un agent du KGB. Quant à la scotcheuse là, elle a probablement piraté la boîte mail d'Areva. Elle se dit directrice de com et envoie ce message au maire. Une manipulation qui sert donc à éliminer la concurrence et avoir le monopole de l'énergie à Fossi. Eh ben ma petite Matari, il faudra revoir tes cours, ma grande. Bah peut-être, mais quand je vous disais qu'un russe, hein, ça sentait le gaz à 10 000 km, hein, eh ben d'où leur présence à Fossi. Et puis mon Gégène, là, comme tu dis, Francis, là, eh ben ça sera la révolution énergétique de la planète du 21e siècle. Ah oui. Ben, on rentre dans une stratégie de concurrence internationale. On veut piger ou quoi? Oh non, moi toujours pas, de toute façon. Ah, alors quoi de nouveau? Oh là là, hé, écoutez bien. J'ai de quoi faire exploser le tirage, là. Oh. Ah bah non, ça a déjà pété une fois, ça suffit, hein. Ah ben, hé, le trou en question, là. Il paraît qu'il a été utilisé un explosif de type dynamite. Eh oui, 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 oui. Et le maire aurait même avoué aux enquêteurs que Areva lui avait confié récemment que le sous-sol de la commune de Fossi contenait du gaz naturel. Oui, ben ça c'est pour un scoop ensuite. Eh ben ensuite. Les enquêteurs, eux, par contre, ils ont la conviction que des pseudo-voleurs se seraient introduits via le réseau principal des égouts, hein, jusqu'au pied du château. Eh oui. Mmh. Après avoir cassé le conduit, hein, et puis devant l'obstacle que représentent les fondations du château, eh ben, ils n'ont pas hésité à employer les grands moyens. C'est bizarre ça, hein. Eh ben, oui. Ils auraient agi en plein jour et personne n'aurait rien vu dans le quartier. Et pourquoi que les Russes auraient utilisé de l'explosif alors? Et pourquoi viser le château? Eh ben, eh, voilà la question. Ouais. Bon, j'y retourne. Ouais. Ouais, bah, en tout cas, il y en a qui ne s'emmerdent pas quand même, hein. Mon téléphone sonne. Allô, oui? Ah, c'est le maire. Oh. Oui, bonjour Claude. Que me vaut ton appel? Il y a du gaz dans l'air. Ça ne me surprend pas. Ah, avec ta femme. Elle a pété les plombs. Ah, c'est notre belle-mère, elle est là. Ah, elle veut te quitter. Elle est dans le gaz. Ah, elle veut voir sa mère. Et toi aussi? Ah, t'es où, là? À la mairie? Non, on est installé sur la terrasse d'un café, là. On boit un coup, là. Bah, écoute, quand tu veux, hein. Mais dites donc, c'est quoi ces familiarités, là? Depuis quand vous vous tutoyez? Oh, une minute, là. C'est lui qui a commencé, hein. Et je vous signale qu'on a fait notre service militaire ensemble. Alors, vu la situation, plutôt la paix que la guerre, hein? Oui, c'est vrai que vous avez servi dans le même corps. Oh, mais Francis! Bon, revenons un petit peu aux choses sérieuses. Alors, donc, ce fameux discours-là. Alors, le jeu carte sur table, voilà. Oh. Qu'est-ce que t'as? Ah bah ça c'est le syndrome de la gargouille partant d'orage. Au moindre nuage,
Ça coule. Clone 3. Eh ben celui-là aussi. Belle maman. Pardon, ex. Bon, tu soupçonnes quelqu'un? Tu connais pas. Et serait ce coachineux en communication chez Areva? Ah oui, oui, je vois pas comment je pourrais la connaître. Hein. Qui est cette personne? Je connais pas. Claude veut faire campagne autour d'un projet de centrale nucléaire à fossiles. Bah c'est sûr qu'en matière de ressources pour la commune, ce serait formidable. Mais sauf que c'est impossible à cause du gaz que nous avons sous les pieds. Bah comment vous savez ça, vous? Bah, en principe, quand il y a du gaz, et bah, ça sent. Bon, allez, déballe, soulage-toi, bah, ça va te faire du bien. Bah moi, je suis comme le président de la République, non nucléaire et encore moins fossile. Et moi, je fais pas de politique, mais sur ce point-là, on est d'accord. Alors, j'ai inventé un stratagème. Je me suis fait aider pour cela d'un ami, un intellectuel très engagé, mieux que ça, un gentleman. Je l'ai rencontré il y a 3 semaines à la bibliothèque. C'est un réfugié politique russe. Il est militant à Greenpeace, alors anti-nucléaire forcément. Donc en 3 clics, il a piraté la boîte mail d'Areva et puis... Et envoyé ce message au maire en se faisant, en piratant la boîte mail d'Areva. Et en disant qu'il y avait du gaz à fossiles. Et qu'il était donc impossible d'y installer du nucléaire. Du même coup, ça élimine le nucléaire et le gazogène de ta mère. Mais dis-moi, là, le Olaf, là... T'as l'air de bien le connaître, là. C'est un ami comme ça, ou... Le coup de foudre. Ben, comment vous savez qu'il s'appelle Olaf? Eh, pose plutôt la question à ta mère, là. Elle lui a fait goûter ses fameuses confitures à la vodka. Donc, si je comprends bien, c'est toi qui nous l'as foutu dans les pattes. Et la petite Émilie aussi, je suppose. Et le micro posé sur la table, là. Ben voyons, là, Télo. Eh, hey, t'inquiète pas, hein. Il est débranché, hein. Donc, si je comprends bien, le maire, grâce au micro, était au courant de nos projets. Et du coup, il en a informé la petite copine du COSAC, alias la directrice d'Areva. Voilà, et qui nous téléphone en lui disant d'arrêter illico notre projet. Je t'arrête, Albert. Oui. Il y a un bémol. La scotcheuse, elle était là avec nous. Mmh. Donc ce n'est pas elle qui a maquillé sa voix. C'est ton ex, n'est-ce pas? Je sens que la campagne va être explosive. Oh. Ah ben là, je crois que ça vient du château, hein. Ah bah oui. Eh, jamais 203, hein. Eh, alors, ça y est, hein. Le couple là, de ressortissants russes l'a arrêté à l'aéroport de Genève. Bon, ils ont avoué qu'ils travaillaient pour le KGB, hein. Ça y est. Ah oui, oui. Et, d'ailleurs, ils ont avoué aussi avoir sympathisé avec le maire et sa femme. Et puis d'ailleurs, avec son adversaire, hein, afin d'éloigner toute forme de concurrence. Hein. Ah oui, oui. Toute forme de concurrence en recherche de gisements et ainsi de suite, quoi, tu vois. Par contre, ce qui est sûr, hein, c'est ce qu'ils nient. Hein, ils nient qu'ils n'ont pas participé du tout à l'explosion. Hein, ça, ah bon. Et cette fois-ci, ça vient du château. Hein. Bon, ah bon. Oh là là, mais j'en crois pas mes yeux. J'en crois pas mes yeux. Viens voir ça là. Si, hein. Ça là. Et ça là. Oh, les pièces. Mais oui, ces pièces là. Des joints de vidange. Hein? Mais c'est des pièces qui datent d'au moins un ou deux siècles avant Jésus-Christ, hein. Ah oui, facilement. Et en plus, elles sont extrêmement rares dans le monde. Peut-être de l'ordre de quelques centaines, c'est tout, pas plus. Hein. Moi, je vais vous raconter la légende.
En fait, il paraît que les Celtes, à l'époque, ils avaient été chassés par les Gaudois. Hein? Et puis, bah, ils en auraient caché quelques pièces comme ça, dans quelques grottes tenues secrètes. Ah oui. Mmh. Et de l'avis de numismate, hein, une pièce comme celle-ci vaut au moins environ 1500 euros. Ah ouais, ah 1500 bah oui. euros quand même. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Prenez place. J'ai des informations importantes à vous donner. Ah bon. Le sous-sol de Fossy a livré ses secrets. Ah. Les enquêteurs ont obtenu les aveux des pseudo-russes. En réalité, le couple avait découvert dans des archives en Irlande que les Celtes auraient abandonné des trésors en France, en Galice et dans les alentours de Fossy. C'est ce que je viens de dire. Alors pensez bien, le château reconstruit la Renaissance sur des ruines gallo-romaines a donc attiré leur attention. Oui, ils ont fait donc sauter l'entrée du souterrain à la dynamite. Non. Les explosions n'ont rien à voir. Non. Par contre, voulant être les premiers à découvrir l'existence de ce trésor et au courant de notre projet nucléaire, ils ont essayé de brouiller les pistes en nous faisant croire à la présence de gaz naturel et ainsi empêcher tout développement énergétique sur Fossy. Et les explosions alors, c'était quoi? Ah, vous allez rire. Ah ben on voudrait bien. Oui. Tenez-vous bien. Les eaux usées du château de Monsieur le Vicomte se déversaient clandestinement jusqu'à aujourd'hui dans un fossé en sous-bois recouvert d'épines. Jusque dans le lac de Genève. Alors, prié discrètement par les autorités helvétiques de remédier à cette situation, il engage des travaux pour se mettre en conformité et se raccorde au réseau d'assainissement de Fossy. Quand je vous le disais qu'il s'emmerdait pas le vicomte. Attendez, pour se raccorder au réseau, les ouvriers ont eu recours à la dynamite pour passer à travers les fondations millénaires du château. Et c'est autour de la dernière explosion qu'ils ont mis à jour un trésor inimaginable, estimé à plusieurs millions d'euros. Hein. Ah oui. Ah ben alors, vicomte, hein, après avoir été dans la merde, on ramasse le pognon à la pelle. Mes chers amis, monsieur le maire, je suis d'un âge certain, célibataire, sans enfant, ni neveu, ni nièce. J'ai donc décidé de faire don de cette fortune à la commune de Fossy. J'ai invité la fanfare aussi à participer à l'événement. Mais à trois conditions. Première, que monsieur le maire abandonne son projet de nucléaire. Deux, Albert abandonne son projet de gazogène. Et de trois, Qu'on installe des éoliennes dans le parc du château. Bravo, Francis. Merci, Vicomte. D'accord. J'abandonne mon projet de centrale nucléaire. Et puis, si un jour vous vous présentez aux élections législatives, par exemple, je vous soutiendrai à 100%. Merci, monsieur le maire. Bon, ben, moi aussi, j'abandonne mon projet de méthanisation. C'est parfait. Et puis, si un jour vous voulez faire un peu de politique, vous vous présentez à l'élection, eh bien, je vous soutiendrai. Merci. J'en profite donc pour vous annoncer que dès demain, je recrute pour constituer ma liste pour les prochaines électorales.
première séance, donc il reste encore 3 séances, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis. Il reste encore une séance demain, samedi prochain et dimanche prochain. Je vais donc vous présenter les acteurs de cette pièce de théâtre. Je vais commencer par les décors, déjà. Les décors ont été réalisés donc, avec Jean-Luc Levacher, Raymond Beltan, Michel Petit, André Florence, et la participation exceptionnelle donc, de Joël de Gauger pour la statue de Guillaume Tell. Merci. Alors, vous avez pu entendre donc, la fanfare municipale pour l'inauguration donc, de cette statue de Guillaume Tell. Donc, les musiciens, on a ressorti donc, l'ancien costume hein, qui date, ça fait déjà plus de 12 ans qu'on ne les avait pas sortis. Déjà. Voilà. Donc, la fanfare municipale, avec Michel, Jérôme, Sylvain, Vincent et Olivier. Voilà. Et puis le chimique rap, donc le rap, donc avec tous les jeunes, donc avec quelques jeunes de l'école de musique et des jeunes aussi de l'harmonie. Donc avec Thomas vient devant, parce que c'est pas évident de chanter. Donc bravo à Thomas et bravo à son équipe qui l'a accompagné. Merci. Alors autrement, il y a eu Elisabeth Ouvrat, la pignouse, la pièce de théâtre. Gabrielle Sarade, Florence Pavi, Christelle Chevalier, Jean-Luc Levacher, Christian Sarade. Alexis Marchand. Et merci aux balayeurs, aux figurants hein, qui ont assisté aussi à l'inauguration. Voilà, bah écoutez, bonne fin de soirée, bon retour et puis bah une prochaine fois. À chaque fois, donc il nous dit tout le temps de se présenter. Donc Pascal Renaud, notre chef de musique, qui a mis en rôle, qui a mis en scène tout le spectacle que vous avez pu voir et qui s'est permis aussi de vous passer quelques morceaux en début de première partie. Là, voilà, donc c'est son choix à lui. Et effectivement, la mise en scène, il me montre que la mise en scène du théâtre a été faite par André Florence.